libérer un peu les pierres là. Il ne coupe pas les doigts. Hein. Ah, yo. Ah, yo, ça veut dire ça se passe bien. Ça se passe bien? Yo. Check. Comment tu fais le check déjà? Comme ça? On est avancé avec un petit sac de problèmes et après tu en as eu beaucoup plus que tu as eu. Ouais, pas de bol. Gros sac à dos quand il est arrivé, Nino. Ouais. Pendant la grossesse, il y a une anomalie au niveau de la vessie a été détectée. C'était une petite info. Mais c'était pas un problème en fait. Et puis le jour où Nino est arrivé, ben, l'accouchement s'est pas trop bien passé. Il est resté coincé, il n'a pas respiré tout de suite. Voilà. Et c'est là que les gros ennuis ont commencé en fait. Je me souviens de ce grand médecin qui me dit, vous savez, votre fils, pendant 10 jours, on sait rien. Je ne sais pas s'il va voir, entendre, parler, marcher. On sait rien. C'est une attente interminable et il m'a fallu rester debout parce qu'on est parents. Quoi. Je reste convaincu au fond de moi et depuis le tout début que Nino valait la peine qu'on se bagarre, qu'on le pousse, qu'on le motive. J'ai souvent entendu dire les médecins, que je ne savais pas si mon fils allait marcher. Les médecins m'ont dit aussi, vous savez, il ne va pas être propre votre fils. Moi, je me suis bagarré pour qu'il marche, je me suis bagarré pour qu'il soit propre. Aujourd'hui, il marche. Aujourd'hui, il est propre. Ça demande beaucoup d'efforts. Les médecins n'étaient pas spécialement contents quand je me suis opposé à leur avis à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, le résultat est là. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait les mauvais choix. Alors oui, je le pousse, oui, je le stimule. Et toujours en accord avec lui. C'est un contrat, un genre de contrat en fait. Nino, est-ce que tu as envie que je t'aide à marcher? Est-ce que tu as envie que je t'apprenne à marcher? Oui, papa. Alors je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider. Quitte à le pousser un peu, même quand il n'a pas très envie. Voilà. Mets-toi debout sur cette marche-là, s'il te plaît. Ah, ça fait bien? Oui. Je voudrais voir la hauteur. Si je peux la mettre comme ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la hauteur de la barre, là, comme ça? Là, elle est très bien, je pense. Elle est très bien? J'ai envie de me balader, j'ai envie de dégourdir les jambes. Ouais, c'est pas mal. Et bien, ça se passe très bien maintenant que j'ai deux rampes. J'en ai une ici et une derrière le portail. Et je peux aller me balader librement. C'est bien la liberté quand même. Oui. Ouais. C'est moins difficile maintenant, mais c'est beaucoup de choses simples. Comme par exemple, prendre la cuillère, l'amener à sa bouche, ça a été très difficile. Ça a été de longs moments où on le faisait, où on s'entraînait. Ça te convient comme installation? Non, non, c'est pas facile de tout le temps pousser son fils vers le pouce. C'est pas la peine. C'est pas la peine de faire ça. Ah, ça roule. Super, merci pour le coup de main. J'ai l'impression que si on l'avait pas poussé, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça, de toute façon. Après, voilà, Nino doit se muscler. C'est un mal pour un bien. Alors, en le poussant un peu, ben on repousse encore un petit peu ses propres limites. C'est okay. Un peu comme l'entraînement d'un grand sportif. Toujours plus. Un petit peu à chaque fois. Voilà, c'est un peu... de la philosophie. Je lui dis souvent, ça va pas être facile, Nino, mais on peut y arriver. Tu descends comme un grand. Actuellement, il est en CM1, il passe en CM2, c'est le meilleur de sa classe en français. Il a une culture musicale extraordinaire, une très bonne mémoire, il percute surtout. Yes. Ouais. Il va très bien de ce côté-là. Tiens, je voudrais être serrurier. J'adore les clés. Pourquoi? Parce que c'est super impressionnant pour moi. Santé ma fille. Mon voyage de la semaine prochaine, Canirando la semaine prochaine. Ouais, je sens que je vais aider.
Ma fille Maëlle a 18 ans. Elle attendait son petit frère avec une grande impatience, mais elle n'était pas prête à ce que ses parents aient à passer autant de temps près de lui. Pendant les 2-3 premiers mois de sa vie, c'était très très dur pour elle. Très très dur. Maëlle s'est sentie mise à l'écart, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit de toucher son petit frère, parce que dans les premières semaines, c'était ça. La première fois que Maëlle a vu son frère, c'était derrière une vitre, et là, c'était une grande incompréhension. Elle n'a pas pu voir son petit frère, elle ne pouvait pas le toucher, pas l'approcher dans les premières semaines. Sa mère et moi avons dû passer beaucoup de temps auprès de Nino. On s'est partagé un peu Maëlle, un peu Nino, mais ça a été un gros bouleversement pour toute la famille et beaucoup, surtout pour Maëlle du haut de ses 8 ans. Beaucoup d'incompréhension. Et c'est tout, Kachou. Tout ce qu'il ne faut pas faire, on le fait ce soir. Un Kachou, hein, c'est fait. Ah ouais? Des phrases du haut de ses 10 ans qui nous remettent bien à notre place. Alors Nino, il s'en sortira. Avec ses difficultés, il fera avec. Mais quand il nous dit, tu sais papa, t'inquiète pas, hein, je vais juste me faire opérer, hein, on se revoit dans quelques heures, hein, et à tout à l'heure. Et tout ça avec la tenue du bloc, la charlotte, comme on dit, sur le brancard. Ben Nino, ouais, c'est une boule de vie énorme, donc il s'en sortira, il s'en sortira. C'est bon pour l'ouverture.